Il s'est passé quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les... les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Je serais probablement devenue un de ces foutus soldats. Impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins... déserte. Ouais. Peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Serevena. Y'en a combien des WLF d'après toi? Au moins 8. Si on a de la chance, si on n'a pas plus. Ça va aller. Faut rester sur nos gardes. Et faisons le plein. Génial. J'ai vu un peu ces vitraux. On n'en voit pas beaucoup. Tu peux passer? C'est bon, vas-y. Merde, ils sont infectés. Cache-toi.
Je crois que c'est bon. On dirait bien. Ellie, c'est une synagogue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la.
endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie ? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Ok. J'ai trouvé de l'essence. Il n'y a plus qu'à y accéder. Allez. Merde. Hé, hey, sois poli. C'est un lieu de culte. C'est vide. Ça craint. On fait quoi ? Ah, essayons le parking du tribunal. On se tire. T'arrives encore de prier ? Ouais, parfois. Vraiment ? Quand ça ? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide ? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude.
maintenant. Je parie qu'on pourrait se servir de ça. Et voilà le travail. Par là. Vas-y, je te suis. C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça se tente. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant on a envie.
J'espère que vous êtes sains et saufs. Ok, le dôme, c'est fait. Passons au tribunal. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Thank you.
Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêts à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. C'est bien d'avoir un vrai chez-soi, non? Ouais. Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais, je t'ai vue. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé tant de viande que ça. Je vais marquer l'endroit. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que c'est? A priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait aller y jeter un œil? Pas mal le dessin. C'est sûrement le magasin de musique. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Il y en a des disques ici. The Sick Habit. The Sick Habit.
être utile. Ça dit quoi? Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Oh, ils se sont fait surprendre par le WLF et essayer de s'enfuir. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de conneries. Ok, Jessie. C'est quoi? Un vieux pense-bête. Maintenant, ça se tente. Attention. Ugh!
J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ces types de la Fedra n'ont même pas pu sortir du parking. Bordel. On n'a plus qu'à trouver l'essence. Alors ? Attends. Et on a de l'essence. La chance est enfin tournée. Nous porte pas la poisse. Direction le portail Fuck Fedra. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici ? Oh. Dina, t'arrives ? Ok, on lâche. Bien joué, Dina. Merci. Bon, le portail maintenant. On ne sait pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. En avant, Paillette. Hey, tout va bien ? T'as le mal du pays ? Juste un peu. Et toi ? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de... retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville ? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite ? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça ? Tu te moques de moi, c'est ça ? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment ? Oui. Vraiment. Joël adorait le café, non ? Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Ça a un goût horrible, un goût de brûlé. Merci. Bon goût, mon cul, ouais. Portail, ok.
Ouais. Comment as-tu con pour rentrer partout? Je sais pas, mais j'aime pas ces trucs. Ça ouvre quoi? Il y a marqué Barkos dessus. Elle ouvre quoi, à ton avis? Je sais pas. Faut ouvrir l'œil. On pourrait aller y jeter un œil? Je crois qu'on est déjà passé par là. Où est-ce que tu vas? Il y a un truc au fond.
on a récupéré pas mal de trucs. Eh bah, quelle aventure. On n'a croisé aucun WLF. Hé, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Les vieux générateurs sont parfois capricieux. Faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors ils se sont planqués.
Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. WLF. J'ai compris. Ah ouais. Ça se tient. T'as vu ça? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil, du coup. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ok, ça c'est fait. Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son insigne. On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcar infecté... Il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. Autant profiter d'être là pour faire le plein.
Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Hé, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de Rab, on sait où en trouver. Je le reconnais pas non plus. C'est quoi ce bordel? C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Est un... Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais.
Allez, on peut sortir par là. Et peut-être rejoindre Tommy. Ouais. J'avais dit que Tommy en avait bavé par le passé, mais... La vache. Je sais. Est-ce que ça va? C'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Occupe-toi du générateur. Et moi du portail. Tu te souviens du code? Celui écrit avec du sang? Ouais. C'est bon! C'est bon! Pour... moi! La vraie question est... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence, sans infecter. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon Dieu. Quoi? On aurait dit ma mère. Ça va aller. Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan!
T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, wow, wow, wow. Attends, attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Maintenant, tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas... Dina! Dina! Télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez! Putain, Ellie! Fais le tour! Termine! Prenez-les en chasse. Tuer.
dessus. Je les ai vus aller de ce côté. C'était par là. On y va. Contrôlez toutes les salles. Forcez le passage. Entendu. Non! C'était par là! On y va! Contrôlez toutes les salles. Ouais. Il y en a que tu reconnais ? Non. J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. Fermé.
raffineux. D'où ces coups de feu? J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. C'est drôle! Quelqu'un l'a buté! Y a quelqu'un ici! Allez, les gars, en patrouille! J'ai cru voir un truc bouger. Je vais voir ce qu'il y a. Pas comme à l'air. Hé! J'ai un derrière la table! Contournez-les! Jette un œil ici. On les emmerde, les Wolves. Tout partout. Qu'est-ce qu'on a? Hein? Non, là-bas. Ellie, baisse-toi. Hey. Elle est où? La table de la bagarre. Merde! Hé, hey, vous deux! L'intruse a filé! Quoi? T'as vu un truc? Non. Faut surveiller le toit. Je vais vérifier par ici. Pas dans la rue, c'est sûr. Quelqu'un a regardé. Comment elle aurait pu descendre? Aucune idée. Quelqu'un a signalé le problème? Greg est parti à Capitol Hill. Il va ramener des renforts d'une minute à l'autre. Oh merde! Décidez !
T'en penses quoi? On peut essayer. Baisse-toi. Allez, on entre. Viens, il faut qu'on s'éloigne de l'école. Tout de suite. Il doit forcément y avoir un moyen de rejoindre la route. Faut qu'on descende dans la rue. On dirait qu'il y a personne. Ouais. Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Lis la lettre. Jordan, Isaac nous a envoyés en mission pour 2 semaines à la station télé. Des scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerai, Léa. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là? Y a qu'un moyen d'en être sûr. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons choper les 1.